Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger une onde de choc à la faune sauvage avec un arc mécanique à onde de choc dans différents modes. Alors les différents modes, c'est tout simplement le mode solo, duo, section, trio, etc. Et ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un arc à onde de choc, donc comme celui-ci, voilà. Arc mécanique à onde de choc. Quand vous avez cet arc, vous allez devoir trouver de la faune sauvage. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec la avec tous les emplacements de la faune sauvage de Fortnite chapitre 3 saison 1. Et regardez, quand vous avez cet arc, pour infliger une onde de choc à un animal, il faut maintenir votre touche tirée pendant quelques secondes pour que l'onde de choc soit activée. Donc là vous faites ça et vous infligez, vous tirez à côté d'un animal pour lui infliger une onde de choc. Donc là je l'ai fait dans un mode, donc il va falloir que je le refasse dans un autre mode, donc peut-être que foire d'empoing ça fonctionne aussi. Donc je devrais quitter la partie et ensuite relancer une partie dans un autre mode pour terminer le défi. Et très important, il faut bien charger la flèche avec l'arc, parce que sinon ça ne fait pas de onde de choc. Regardez, si je ne charge pas ma flèche, ça ne fait pas d'onde de choc. Donc très important, chargez avec votre arc pour infliger une onde de choc. Et quand vous aurez infligé une onde de choc à deux animaux, enfin à un animal dans deux modes de jeu différents, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.